Alors, il a parlé? Non, pas encore. Il est tombé dans les pommes. On le laisse souffler et on y retourne. C'est un dur, on dirait. Dur ou pas, il crachera le morceau. Ils finissent tous par craquer. En tout cas, félicitations, lieutenant. Vous avez fait du bon boulot. J'ai convoqué une conférence de presse pour dans environ une heure. Je crois que je vais faire mon petit effet. Vous préférez pas attendre qu'on ait des aveux? Inutile. On tient notre coupable. C'est tout ce que la presse veut savoir. Ethan Mars est innocent. Il disait peut-être aussi la vérité quand il affirmait qu'il était le seul à pouvoir sauver Sean. S'il y a une seule chance qu'il ait raison, il faut que je le fasse sortir d'ici. Alors, il a avoué? Encore. Je vois. Laissez-nous. C'est que... je sais pas si le lieutenant Blake... S'il vous plaît. Laissez-nous. Ok. Je serai devant la porte si vous avez besoin. Merde. Est-ce que ça va, Ethan? Il faut que je sorte d'ici. Il faut que je sauve Sean. Je vais voir ce que je peux faire. Gary, vous pouvez prendre votre pause. Je le surveille. Au mieux. Je commence à avoir grave envie de pisser. Si jamais il faut lui enlever les menottes, les clés sont sur mon bureau. Voilà. Vous êtes libre. Tenez, enfilez ça. Ils font une pause. Si vous faites vite, vous pourrez sortir sans vous faire remarquer. Allez droit vers la sortie, sans vous arrêter, sans parler, sans regarder autour de vous. C'est bien compris? Je ne sais pas quoi dire. Dites-moi que vous allez sauver votre fils. J'espère que j'aurai pas à le regretter.